Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc, comme je vous ai dit, la page est en restreinte. N'hésitez pas à partager rapidement. Et surtout, on va pas faire de long live. On va pas faire un long live. Donc, pour booster un peu vite, vite les partages là et tout. Pour une mise à jour dans notre communication. Une mise à jour dans notre communication, c'est très important. Ok. Niveau de santé, ça va. Niveau de santé, la page commence quand même à aller. Boostons, boostons vite. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir la famille, bonsoir la famille, bonsoir les bien-aimés, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, tout le monde va bien. Donc, essayons d'avancer au maximum, ça m'appelle. Bonsoir Nanou, bonsoir. Bonsoir la famille. Boostons, boostons rapidement. Poussons, fais une belle communication. Bonsoir. Bonsoir ma soeur Sophie. Bonsoir, bonsoir. Comme toujours, bonsoir et bienvenue dans cette conférence. Bonsoir Simone. Bonsoir Force Tranquille. Bonsoir. Donc, on aura une communication à deux étapes. Bonsoir, Augusta. Bonsoir, Annette. On aura une communication à deux étapes. Bonsoir, Josie. Josie Joss. Bonsoir, Solange. Bonsoir. Donc, comme je disais, Rosette, bonsoir. Bonsoir. Cyril, bonsoir. Bonsoir, Nadine. Boostons un peu la page. Boostons un peu la page. Chauffons un peu la page. La communication ne sera pas longue. Donc, on doit chauffer. Dès qu'on atteint un chiffre rond, là, on commence directement. Malika, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Merci à toi, Malika. On travaille pour vous. Gratuit, mais pour vous. Donc, continuons à booster la page. On booste, on booste, on booste, on booste, on booste. Donc, on va faire. On a une communication à deux niveaux. À deux niveaux. Premier niveau, c'est d'abord une mise à jour. Comme je vous avais dit. Il faut toujours une mise à jour de ce qui est en train de se passer, de tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, d'abord dans le cadre de la justice pour Samy, parce qu'on est, ce n'est pas encore terminé. Ça ne va jamais se terminer tant qu'on n'a pas encore eu le fin mot de cette histoire. Jamais ça va se terminer. Bonsoir Lucie, Lucille, Marie, bonsoir à toi. Bonsoir Marguerite, Marie, bonsoir. Bonsoir. Donc, continuons à pousser, pousser Marie, poussons, poussons, parce que là, grâce à vous, la page va encore être mise en avant, parce que depuis, j'ai eu à être signalé. Jussou, bonsoir à toi. J'ai eu à être signalé, donc la page n'était plus mise en avant. Vous avez constaté que on avait un gros problème. On n'arrivait même pas à traverser un nombre sain. Donc, essayons de pousser encore la page avec des partages au maximum. Avec les étoiles et tout ce que vous voulez. Hein? Les étoiles, les cœurs, les partages. Bonsoir Anne, bonsoir Anna. Anne-Louise, bonsoir. Anna, bonsoir. Donc, il faut mettre tout ça pour que la page puisse reprendre sa bonne santé. Léon, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Dans 30 secondes, je commence. Samba, Samba, ce beau nom. Bonsoir à toi, Émilienne. Bonsoir. Bonsoir, Anna. Alléluia. Alléluia. Voilà, Marthe, bonsoir à toi. Boostons, boostons la page. Voilà, nous avons atteint le chiffre. On continue encore à pousser un peu. Invitons nos frères. Thérèse, bonsoir. Vous savez que j'ai juste lancé là. J'ai pas trop prévenu par rapport au live. Donc, poussons un peu. Poussons, poussons. Mettons les cœurs, partageons. Mettons les étoiles, tout ce qui va avec. Pour qu'on puisse retrouver la bonne santé de la page qui sera mise en avant, naturellement. Donc, après le boulot, j'ai fait un peu de sport. Et après le sport, j'ai décidé que je viens faire une petite communication avec vous le temps, c'est-à-dire une trentaine de minutes pour qu'on aille un peu plus vite. Préalablement, je souhaitais faire une vidéo, toujours pour dénoncer, l'incompétence de Madame la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation.
Madame Madeleine Trent. Mais comme on a une mise à jour, on a des nouvelles choses dans le dossier de notre frère Samy, j'ai trouvé que la priorité, c'est ce dossier. Donc, dans toutes mes communications, il faut bien comprendre, dans toutes nos communications, pas juste les miennes et aussi celles de mon jeune frère, le Dieudonné 100 ans, la priorité sera toujours la mise à jour par rapport au dossier de la justice pour Sam. Mais ça n'exclut pas que, bonsoir Joséphine, qu'on a d'autres communications. Lui, il a sa ligne éditoriale, il a ses communications à lui. J'ai mes communications à moi qui sont plus politiques, plus au niveau du gouvernement, plus au niveau du branding du Cameroun, pas du bashing, mais une façon de dénoncer, une façon light de dénoncer, etc., etc. Mais, quel que soit l'ambda, quand il y a du nouveau, on vient d'abord, bonsoir Mamadelle, on vient d'abord parler de la justice pour Samy. La fois dernière, dans mon dernier live, je vous ai fait savoir que ce dossier de Samy, pour ceux et celles qui doutent encore, c'est une histoire qu'on ira jusqu'à la gare. On ne va jamais arrêter. On arrêtera juste quand on aura un fin mot de la justice camerounaise. Donc, quand la justice va se prononcer, ouah, là, on pourra dire que, OK, bon, OK, la justice est prononcée, on ne sait plus rien faire. Valoche, bonsoir, donc on reste seulement calme. Mais tant que la justice ne s'est pas prononcée, on continue. Et même si la justice du Cameroun se prononce dans un sens où on a l'impression qu'elle n'a pas vraiment fait son travail, le combat ne s'arrête pas. On va se battre à avoir les postes qu'il faut et relancer encore le dossier. Ce dossier de Samy, c'est un dossier existentiel. Faut bien comprendre. Existentiel. Parce que, en ce qui me concerne, bonsoir Marie, Samy, c'est un jeune qui incarnait le rêve camerounais. Ça m'a beaucoup désolé, je vais vous dire la vérité, et peut-être parce qu'il n'est pas encore inhumé, que le président, son Excellence Paul Biya, n'a pas décoré Samy post-mortem, comme il a fait avec Kabren Nandji. Parce que, mes chers frères et sœurs, en ce qui me concerne, Samy, le noir, doit être décoré avec une médaille de l'ordre du mérite, parce que c'est un petit frère qui incarnait le rêve camerounais. Je ne sais pas si c'est vrai parce que je ne connaissais pas bien sa vie, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, Samy, au départ, posait les ongles au marché des coups. Je ne sais pas si c'est vrai. Je souhaite que ceux qui connaissent mieux Samy puissent nous confirmer cela. Mais prenons par hypothèse que c'est vrai, que ce jeune garçon posait les ongles aux femmes au marché des coups. Ça veut dire que pour survivre, pour apporter de la nourriture sur la table de sa famille, Samy a fait l'école d'abord. Il a eu le bac, il a eu, je pense, son BTS, si je ne me trompe pas. Par la suite, il posait les ongles aux femmes, au marché des coups. Il ne s'est pas arrêté là parce qu'il avait un rêve. Le rêve camerounais. Après ses ongles, il a compris, il savait qu'il avait le talent. Samy a chanté, il était chanteur. Samy ne s'est pas arrêté au niveau du chant. Samy est un comédien. Il a fait des sketchs, mais il ne s'est pas arrêté au niveau de la comédie. Samy a décidé de faire les vidéos, les photos, les vidéos. Donc, poseur des ongles. Non, écolier, il a terminé. Étudiant, il a terminé. Débrouillard, poseur des ongles, il a terminé. Et talent qui éclore,
dont un grand talent, qu'on dit un jeune talentueux, il décide de mettre son talent en avant lui-même. Il devient chanteur. Il n'avait pas eu de producteur quand il était chanteur. Il n'avait pas de producteur. Il décide de devenir blogueur. Blogueur, vidéaste. Vidéaste, photographe. Toujours la tête haute. Toujours la tête haute. Je pense que Samy mérite une médaille de l'ordre du mérite. Parce que quand le président Paul Biya, son excellence Paul Biya, parle de l'auto-emploi, l'auto-entrepreneuriat, que d'autres utilisent souvent une parole un peu plus dénigrante, ils disent la débrouillardise. Non, c'est pas la débrouillardise. Ah voilà, je voulais dire, et ça correspond quand Marie-Gisèle écrit débrouillardise. Non, ce n'est pas la débrouillardise. C'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la capacité de ne pas seulement arrêter sa pensée au niveau d'idée, mais de l'implémenter. Que tu aies les moyens ou pas, tu l'implémentes à échelle, à petite échelle, et tu te bats à ce que ça puisse grandir. Si vous voyez le parcours de Samy que je viens de mettre en avant, plusieurs personnes peuvent se dire que tout ce qu'il a eu à faire, ce sont des choses qui ne se retrouvent pas. Mais non, bonsoir Kim. Tout ce que Samy a fait, ce sont des petits boulots qui à la fin se retrouvent, s'embrassent, se mettent ensemble. Parce que c'est ça qui a forgé ce jeune garçon dans son mindset et a fait de lui un homme intègre. Nous, étant du parti au pouvoir, je ne peux pas lancer ça, mais je souhaite que vous, Camerounais, Camerounaises, qui croyez au rêve du Cameroun, vous, qui êtes des débrouillards dans l'âme, parce que même quand on arrive en Europe ici, c'est notre débrouillardise qui nous fait ne pas rater. Parce que le Camerounais a 90% de chances de réussir quand il arrive en Europe. 90% de chances de réussir. Si tu vois un Camerounais qui a raté, gars, sache que vraiment le gars s'est retrouvé dans des faux matas, des matas bizarres qui ont positionné des positionnements dans les positionnements jusqu'à... Il était noyé dans ça. Il ne s'est pas sorti. Mais le Camerounais est programmé pour réussir. Parce qu'en nous, on a cette débrouillardise, homme comme femme, à part ceux qui décident de se lancer dans la facilité. Mais même quand on se lance dans la facilité, bonsoir Jean-Pape Chouchou, on a cette débrouillardise, cette aptitude en nous pour nous en sortir, même dans les terrains les plus hostiles. Et Samy l'incarne. Comme Cabral Nandji, Samy incarne cela. Et nous souhaitons que ceux, le conseil qui s'occupe de porter les noms auprès du président de la République pour la décoration de médailles, puissent se pencher sur le cas Samy, qui est un cas d'école de débrouillardise, qui est un cas d'école du rêve camerounais. Ceci étant dit, nous espérons que notre doléance sera accueillie et ce ne sera pas mal si vous lancez même une pétition dans ce sens-là pour qu'il puisse avoir sa médaille post-mortem. Il mérite cela. Maintenant, en ce qui concerne les mises à jour, parce que je vous avais déjà dit depuis que chaque fois qu'on va venir en live ou parler de ce dossier spécifique, on vient par rapport aux mises à jour. Bonsoir, ma photo finale. L'avocat, notre avocat,
Il continue tant bien que mal à avancer avec le dossier. C'est vrai que j'aurais voulu, j'aurais souhaité qu'on puisse le lier avec un autre de ses collaborateurs pour qu'ils puissent avancer tous ensemble, même à deux ou à trois avocats, un conseil, pour que ce soit un peu plus rapide et un peu plus ardent, voilà, ardent. Parce que bon, quand c'est un, parfois il a aussi d'autres choses à faire et c'est un tout petit peuple. Donc, le cas est déjà pris en main par le ministère public. Le cas Samy est déjà pris en main par le ministère public. Pour ceux qui connaissent la loi et le droit, ils comprennent ce que je suis en train de dire. La beauté de l'histoire encore, voilà le premier point. Le cas est pris en main parce qu'il fallait absolument le porter à un certain niveau pour que ce cas soit absolument pris en main par le ministère public. Au départ, il fallait qu'on passe par les forces de maintien de l'ordre, donc via la police, etc. Mais comme je vous ai dit dans mon ancien live, cette procédure, la procédure qui avançait normalement sans souci, a été grisée un tout petit peu par Conrad, qui allait se présenter comme quoi il est le chef de famille et qui n'a mandaté personne. Et pourtant, il était toujours dans la roubladise parce que, en fait, Conrad n'est pas le chef de famille. Il n'a jamais été le chef de famille. Il n'est même pas sûr qu'il est le chef de sa propre famille avec ses propres enfants. Parce qu'il n'est même pas le chef de sa propre famille. Je dis, même pas le chef de sa propre famille, il n'est pas. Donc, il ne peut pas se réclamer chef de la famille, la grande famille. Parce que cette grande famille a un homme valeureux, un monsieur honnête, un monsieur homme, comme on appelle chez nous les Bantous, qui est le chef de la famille. Et ce monsieur a les oreilles ouvertes et la sagesse du village. Et il a compris. Conrad, maintenant, est dans les matras. Parce que l'argent qu'on a eu à donner, lui et son ami One Love ont tout bouffé. Même les avocats n'ont pas été payés. Même l'avocat que lui, soi-disant, avait amené n'était pas payé. Il avait orienté l'avocat dans des bêtises de porter ma plainte contre l'hôpital, fuyant tout. Donc, tout ce que l'on disait ici, lui, il avait autre chose dans la tête. Même l'avocat l'a orienté dans ce sens-là. Bon, nuit, mon cocoyo. Ça va, toi? Mais tu ne peux pas passer en live, non? Tu vas me faire caresser seulement. Allez. S'il vous plaît, ok? C'est la bonne, ok? Ça va? Tu as écrit, comme tu marches comme ça. Zéker? Bon, tu as laissé ton livre dans mon bureau là-bas. Ok, il n'y a pas de souci. Si, je vais contrôler ça. Toi là. Allez, tiens. Quand un Camerounais naît en Bénin, quand un Camerounais vit, Dieu choisit les Camerounais. Même quand il naît en Bénin, mon frère, il faut le conclure jusqu'à la fin. Les Camerounais sont toujours gens, en fait. Allez, tu étais là, lumière au niveau du bureau, les escaliers et tout le reste. Ok? Ok, souris. J'ai un Camerounais ici là. Quand on pense que le président pour lui doit gérer 30 millions de Camerounais, ce n'est pas facile. Ok, donc je disais tantôt, les gars n'ont même pas payé l'avocat. Déjà, ils n'ont même pas donné les orientations à l'avocat Noël et Salut. Les vraies orientations. C'est maintenant que leur avocat est mis au courant de l'affaire proprement dit. Et quand il est au courant, c'est là où il faut comprendre que même ses factures n'ont jamais été payées. Même ses factures. La famille, entre-temps, a lui dit, dont elle a écouté, que la diaspora avait fait un geste. Et la diaspora demande à... Et la famille demande à Conrad l'argent de la diaspora. Même cet argent, il n'a pas. Au point où il se retrouve maintenant en train d'aller
demander l'argent des locataires des appartements de Samy. Voilà. Voilà ce qu'on appelle un frère. Donc, il va maintenant racketter les locataires de son frère. Et quand on se souvient que ce frère a dû bagarrer avec la machette pour prendre ce terrain parce que Conrad avait vendu tout le reste, c'est très grave. Donc, deuxième bonne nouvelle, ce monsieur qui se prétendait chef de famille a été désavoué. Désavoué totalement. À tous les niveaux. Et lui, qui prenait les devants, soi-disant, il pouvait interdire à X ou à Y de ne pas venir au deuil de Samy parce qu'il le faisait. Par exemple, Félicia, je me souviens quand elle était encore très très chaude dans tout ce qu'on fait là. Conrad, excusez-moi. Ménil, il y a quoi? Le rentekening? Mais dépose ton truc sur mon bureau, je vais le rentrer Kevin après. Ça va? Ok, il n'y a pas de souci. Je vais le rentrer Kevin avant de me coucher tard. Bon, je disais tantôt que... Excusez-moi, je vous ai dit, pardonne-moi. On fait tout à la fois, on fait le père, on fait tout à la fois. Voilà. Donc le mec, il est auge. Lui qui disait aux gens que les gens ne peuvent pas mettre leurs pieds dans le deuil de Samy. Il a dit, par exemple, à une des amies de Samy qu'on appelle Valérie, il a dit à Félicia, il y a de très fortes probabilités que lui-même ne soit pas là. Il y a de très fortes probabilités, parce qu'à l'heure, c'est comme à l'heure, c'est là. On lui a dit qu'il faut venir avec l'UNCAP. Et l'UNCAP est fini dans les 33, nous le savons. Le cap est fini dans les 33. Lui qui est venu nous insulter dans les IB, il est clair maintenant que ce que ce mec voulait, c'est une histoire qu'il avait ficelée avec Carrément la mort. Carrément la mort avait dit depuis le départ qu'elle était ouverte à participer pour les obsèques de Samy. Ces obsèques, que son gars a taillé Samy. Nous le savons, on n'a plus besoin de revenir dessus. On n'a plus besoin de revenir sur le fait que l'Uncassan a froissé le bras de Samy. Carrément la mort dans tout ce qu'elle voulait pour sauver l'image, comme elle cherche la Starmania depuis. Pour sauver le nom de qu'elle cherche la Starmania, Samy a trouvé la mort. On n'a plus besoin de revenir dessus. On n'a plus besoin de donner la visibilité à cette sapaque. Parce qu'elle est l'image la plus odieuse du Cameroun. Tandis que Samy, c'est le rêve camerounais. Il faut bien comprendre. Elle est la plus sale des images, la boue du Cameroun, le derrière la maison, le marécage du Cameroun. Oui, cette sapaque. Parce que une sapartérie qui préfère sauver un cassin au lieu de sauver un continental. Ça, c'est la honte. Donc, du coup, bonsoir. Elle avait quand même déclaré que elle voulait donner un coup de main. Donc, du coup, Conrad, monsieur 33, avait, keep in mind, il a gardé dans sa tête que il y a un agent en cours de téléchargement quelque part où il faut seulement engager les obsèques de Samy et la SAPAC. Peut envoyer de l'argent.
Donc, depuis que vous voyez, nous sommes dans cette affaire, Conrad, lui, il compte ses casiers de 33, il prend les crédits, il fait tout parce qu'il sait que le jour J, la SAPAC va envoyer l'argent pour enterrer. Donc, c'est une histoire d'argent. Mais, il a négligé, il a simplifié l'esprit combattant de Samy. Cet esprit qui, en ce qui me concerne, a fait de lui un modèle pour la jeunesse, un modèle d'entrepreneuriat pour la jeunesse camerounaise. Cet esprit, même dans la mort, continue à se battre comme il n'est pas permis. Et voilà que Monsieur 33, Conrad, se retrouve dans toutes les merdes du monde, au point où même le pire des secrets de leur famille est sorti. Je ne vais pas vous dévoiler ce secret, mais plusieurs le connaissent déjà. Et ce secret met en cause ces soi-disant 21 ans à la police. C'est ce qu'on appelle le secouement avant l'enterrement. Parce que Samy va mener Conrad, croyez-moi. Mais avant, il est en train de l'afficher aux yeux du monde. Parce que si la sapaterie, la SAPAC et son mari et son bindailleur, appelons-le ainsi, son cassant, ont amené Samy vers la mort. Conrad l'a tué une deuxième fois, accompagné avec son ami One Love. C'est ce qui est. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qu'il peut faire autre, on s'en bat les noisettes. Mais c'est qui est, c'est ça. La preuve, il ne veut pas s'arrêter. Il n'est pas satisfait d'avoir participé à la seconde mort de son cadet. Il veut même tuer celui qui le suit, au point de le tabasser et de froisser sa tête. Nous serons obligé une fois de plus à vous demander, ceux et celles qui ont le cœur sur la main, d'aider le grand frère de Samy qui est déjà quelqu'un en mobilité réduite. Il est dans la catégorie des mobilités réduites, vous comprenez? Ça veut dire il n'est pas sain d'esprit totalement. Et c'est ce gars qui n'est pas totalement à 100% que Conrad a décidé de tabasser, de doser sur la tête, doser sur la tête, doser sur la tête, au point de fendre sa tête. Ce mec, Dieu l'a envoyé sur terre, oui, Dieu le protège, mais malheureusement, il n'a pas toutes ses capacités. Salut Sheila, ma belle, ça va? Il n'a pas toutes ses capacités, malheureusement. C'est Dieu qui décide. Pour ceux et celles qui veulent l'aider, vous savez, moi, je ne parle pas des affaires d'argent et tout. Vous pouvez vous rapprocher de notre pasteur. Le Dieu donné 100 ans d'avance, c'est lui le pasteur. Quand il va arriver au ciel, il va nous envoyer l'ascenseur pour qu'on puisse aussi arriver là. C'est lui qui est un gars qui ne pêche pas. Conrad a tabassé le gars. Le visage est gros, t'es gonflé. Que si les gens. Et il avait fermé la porte. Donc si les gens ne cassaient pratiquement pas la porte, c'est que ce gars aussi est mort. C'est qu'il est aussi mort sûrement. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il veut contrôler
les trois petites, les deux boutiques que Samy a pu faire devant là, ou les trois appartements qu'il a pour aller ramasser l'argent, les 20 000, et se retrouver au premier bar pour les dépenser dans la rue. C'est ça. Ce minable personnage, j'avais décidé de ne plus parler de lui. Parce que chaque fois que je parle de Conrad, c'est comme si ma bouche crachait le sang. Parce que c'est un minable personnage. J'ai jamais vu un mec aussi minable. Aussi minable. Même les soulards qui marchent en route, pissent, tombent dans les caniveaux, sont 1 000 fois mieux que ce mec. Donnons-en de bonne volonté. Si vous pensez pouvoir aider ce monsieur, ce ne sera pas mauvais. Sa tête est fendue comme ça. Son visage encore un peu gonflé. Contracte la 12 attaques, 14 attaques. C'est toi qui sors mes secrets. C'est toi qui sors mes secrets. Tu donnes mes secrets à VP de Londres. C'est toi qui donnes mes secrets à VP de Londres. Conrad, tu es idiot. C'est pas lui. C'est pas lui qui donne tes secrets. Tes secrets étaient connus depuis, c'est juste qu'on laisse tomber. On ne voulait pas t'attaquer. Moi, ce qui me concerne, un minable odontologiste comme toi, je vais l'attaquer. Pourquoi? Quelqu'un qui s'assoit en route pour boire le haou, qu'on a mis les comprimés à l'intérieur. Je suis pas à ce niveau-là. Mais c'est parce que tu as poussé ton idiotie à certains niveaux. Aller te lier. Au gaucher comme les guilous, le gaucher, au carimor, la mort, les crapules, juste parce que tu veux des perdièmes pour aller te retrouver et boire les 33. Tu dis qu'il me donne les informations. Il me donne les informations comment par satellite. Le pauvre n'a même pas le téléphone. Il n'a même pas le téléphone. Et tu me donnes des informations. Donc, tu voulais tuer ton frère pour rien. Pour rien. C'est Samy qui t'expose, cousin. C'est Samy. C'est personne d'autre. C'est l'esprit de Samy. Par exemple, quand ton épouse est allée récupérer l'argent des locations et tout l'autre, il m'a dit, comment j'ai fait pour savoir? Que c'est elle maintenant, et pourtant cet argent même doit aller à la fille de Samy, une partie, et à son grand frère malade, l'autre partie. Parce que c'est comme ça que Samy avait tracé son plan. Il s'occupait de son grand frère qui était malade, parce que son grand frère est mentalement, je ne veux pas utiliser ce mot-là, mais il n'est pas 100% mentalement. Et Samy s'occupait de lui. Donc, quand Samy faisait les ongles, il posait les ongles à Ekounou, c'était pour ses études et pour s'occuper de son frère. Quand je vous dis que ce gars mérite la médaille de l'ordre du mérite, on peut faire ça. Il posait les ongles aux femmes. On posait les ongles à 2 500 au Cameroun. 2 500. Au marché de Koundon, il devait se battre pour réussir à avoir 10 femmes, pour avoir un 25 colo. Et ce n'est pas facile au marché. Merci beaucoup, ma belle Sheila. Il est mentalement instable. Voilà, merci. C'est mieux, c'est plus soft. Merci, Grâce. Mentalement instable. C'est plus soft. Donc, je vous disais tantôt, quand il réussissait à avoir ce petit perdième, il divisait un peu pour son loyer, un peu pour son frère, un peu pour sa fille, au point où cette dernière qu'on appelle José osait même l'appeler gigolo parce qu'elle lui avait offert un téléphone. Et pourtant, il se battait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la vie de Samy.
La vie d'un battant, d'un combattant, d'un lion. En vrai. Pas Conrad. Quelqu'un qui n'a même pas les mêmes bains. Un monsieur idiot comme ça. Un fainéant, une crapule. Un soulard. Quelqu'un qui pisse sur lui, chie sur lui. Sang du matin au soir, même si c'est lave avec Caribou. Même si on lui donne les produits de Carimor, la mort, il va tout sentir l'alcool parce que c'est déjà imprégné dans son être. C'est petit con. Donc voilà un peu les mises à jour, mes chers frères et sœurs. Premier point, le ministère public a pris l'histoire et est en train de gérer cette histoire. Ce n'est pas facile, croyez-moi, ce n'est pas facile. Pas du tout. Notre avocat est un peu, aussi un peu souffrant. Donc, s'il y a moyen, si entre vous, vous êtes avocat, vous avez aussi les avocats, que tout est en sorte qu'ils peuvent se rapprocher de notre avocat aussi, pour qu'ils puissent travailler ensemble. Il faut savoir que ce que nous donnons à, ces avocats-là, ou à cet avocat, quelle que soit la somme qu'on les donne, ils sont d'abord en mode bénévolat. Parce que cette histoire est très forte, hein. Ne croyez pas que c'est facile. Ce que j'enlève, ce que Janine enlève, ce que Santan enlève, ce que Solange Bia a déjà mis, ce que, je ne sais pas, vous avez déjà mis, ce qu'on les donne, je vous promets, c'est d'abord le bénévolat. Il y a d'autres, il y a une soeur qui m'a appelé, qui m'a écrit la fois dernière, VP, j'ai donné, si j'ai dit, merci beaucoup ma soeur, tu as donné à 100 ans d'avance. C'est bien, il faut donner là-bas. Parce que quand quelqu'un connaît aussi que l'autre est mieux, moi, financièrement parlant, je n'ai aucun souci, mais je n'aime pas entrer dans les histoires d'argent. Je n'ai aucun problème, mais je n'aime pas. Je n'aime pas. Je préfère que celui qui va arriver au paradis, il va nous envoyer l'ascenseur là, 100 ans d'avance. Parce que c'est lui qui fait souvent les prières, les cantants de prières. Je préfère que lui fasse. Donc, deuxième point. Le vrai, vrai, vrai tout-puissant de la famille est là. Conrad ne peut plus rien. 33 man, sa gorge va sécher. Tu vas prendre à boire de l'eau. Tu vas prendre à boire de l'eau. Donc, continuez à aider. Je réitère encore si besoin se présentait. Aider, mais envoyer du côté de notre ange, Dieu donné ça en temps. Je ne sais pas si c'est ange ou archange, je ne sais pas. Du moins, quand il sera au ciel là-bas, il pensera à nous. Il va nous donner l'étage juste dans l'ascenseur. VP, même étage numéro 12. Voilà, j'arrive. Donc, c'est un peu ça. Restons focus. Je vois des personnes venir parfois sur mes posts pour écrire quand je mets d'autres sujets. Oh, justice pour Samir est déjà calme. Écoutez, nous ne sommes pas... Une seconde, s'il vous plaît. Gabriel? Tu sais ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais ce que je suis en train de faire? Est-ce que tu sais ce que je suis en train de faire? Ok, parfait, je suis en train de faire un live. Et toi, tu es en train de faire quoi? Je fais ça. Chut. Il est 21h chez moi, il ne veut pas l'ouvrir. Bon, la question est celle-ci. Tu as écrit la phrase que l'on t'a demandé. Oui. Est-ce que Gabriel est satisfait par rapport à ta phrase? Non. Ok, alors tu te casses, tu vas écrire s'il te plaît. Tu écris ça, ce qu'elle te disait que tu as écrit comme elle veut. Mais c'est toi. Non, c'est toi qui dis déjà que c'est toi ici à la maison. Donc c'est toi qui fixe même derrière les yeux chez moi. Ce n'est pas t'as pas écrit. Toi, tu ressembles à quelqu'un qui va me mettre dans la maison de requête ici, la maison de repos.
Pas écrit la maladie. Non, tu espaces. Les autres, tu n'as jamais pour ça que tu travailles. Papa, il ne faut pas énerver. Papa, tu vas aller me mettre dans les maisons, les vieux pays, ça, tu seras pas commencé à me taper même là-bas. C'est même qui ça? Heureusement que j'ai mon billet d'avion toujours pour rentrer au Cameroun. Prends quelqu'un. Va finir d'écrire. Je comprends pas les gens. Excusez-moi. Moment de famille. Bon, j'étais à quel niveau? Donc, je disais tantôt que, excusez, c'est normal, à les enfants. Je disais tantôt que les gens viennent souvent sur mes posts pour dire, oh non, justice pour Samy est déjà mort. Qu'est-ce que vous faites? Ne riez pas, c'est juste moi, j'ai un petit Camerounais là qui fait le désordre. Noël, on ne rit pas. C'est interdit de rire. Donc, Emilien, toi, alors. Oh, chez la chaveche. Allez, donc je disais, Karen, il faut arrêter ici, s'il vous plaît. Allez, je disais, tant. Voilà, j'ai pas chaud, je vais te bloquer. C'est ça, va. Allez, on continue. Donc je disais tantôt que les gens viennent dans mes commentaires, me disent, est-ce que justice pour Samy et moi, est-ce que machin. Non, nous ne sommes pas embrouillés. On a toujours été méthodique. On vous a fait savoir que maintenant la chose est entre ceux qui ont appris le droit et nous on les supporte financièrement, on les supporte aussi, on les met la pression qui va avec pour qu'on puisse avoir un résultat, Noël, pour qu'on puisse avoir un résultat et tout le reste. Donc on n'a plus besoin de venir faire communiquer tout le temps. Non. On a d'autres sujets. Quand on vient communiquer, que ce soit moi, que ce soit mon frère, Dieu donné son temps, c'est quand il y a une mise à jour, on vient vous mettre à jour. Quand on vient communiquer, vraiment, Clarisse, oui, mon billet d'avion, ah, ok, bon, mettons la parenthèse. Mon billet d'avion est prêt pour le coup. Dans les histoires là qui font là que non, après là, on veut te mettre dans le. La maison de retraite, là, si ça veut commencer, moi, je tire mon plan tranquille au pays. Propre. J'ai tout l'argent de ça. Le billet d'avion est là. Voilà. Donc, on a terminé. Bon, je disais tantôt que voilà un peu ce qu'il y a à comprendre dans ce dossier. Et je souhaite que tout le monde reste mobilisé. Restons vraiment mobilisés. Ne pensez pas une seule seconde que c'est terminé. Ce n'est pas terminé, c'est un long combat. C'est un long combat. Merci beaucoup, Brice. C'est un long combat. Qu'est-ce que nous souhaitons ici? C'est qu'on veut absolument la justice. Oui, Alphonse, je vais fuir. On veut la justice pour Samy. C'est tout ce qu'on veut. Et on l'aura. On peut parler de politique, on peut parler des affaires au niveau social comme le Dieu de naissance en fait, on peut parler de faire les cancans photos comme Auguste a fait souvent, on peut voir les petites vidéos TikTok de chez là, on peut voir tout ce qu'on peut voir, mais restons focus. Ne baissons pas les bras. Pourquoi je vous demande de ne pas baisser les bras? Vous voyez, si besoin se présente encore, j'ai posté une coupure de presse, première de couverture, de l'affaire Martinez Zogo. Qui maintenant, après tout le brouhaha, les choses sont en train de s'éclaircir. Parce qu'on n'a jamais baissé les bras, les choses s'éclaircissent. Et à la fin, on aura la vraie justice pour Martinez Zogo. On saura exactement ce qui s'est passé et on aura la vraie justice. Et comme pour Samy, ne baissez pas les bras. N'imaginez pas un seul instant que ce soit moi, que ce soit le Dieudonné 100 ans, que ce soit les gens qui sont derrière nous, les Janine, etc., qu'on a baissé les bras. Mal. Je vous ai dit, jamais. Du moins, en ce qui me concerne, moi, j'aurai la justice pour ce jeune garçon. D'une façon ou d'une autre.
il y aura la justice. Et la vraie. Bonsoir, Tata Passy. Et la vraie. Quel que soit le mandat. Même s'il faut accepter les grands postes au Cameroun pour avoir la justice pour ce gars, on le fera. D'une façon ou d'une autre, on le fera. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller incriminer les gens, les personnes innocentes, non. Parce qu'on veut absolument les voir derrière le barreau, non. Derrière les barreaux, non. On ne va pas aller faire des attachements aux gens parce qu'on veut absolument les punir, non. Mais on aura la justice. Notre justice, ce n'est pas Conrad. Conrad a seulement tué Samy pour une deuxième fois. Et Samy va régler Conrad. Il est en train de régler même Conrad lui-même. Parce que quand Conrad est en train de passer son cerveau là, c'est que c'est Samy qui le règle. Et ce qui est sûr, c'est ça. Mais nous, on va régler cette justice. Je vous ai dit, que ce soit maintenant ou demain, même si faille que moi j'accepte les grands postes du Cameroun là, pour ça, je le ferai. J'avais dit ici, on aura cette justice d'une façon ou d'une autre. Je vous remercie une fois de plus. S'il vous plaît, soyez actifs sur la page. Elle est un peu attaquée. Partagez au maximum. Mettez les cœurs. Mettez les étoiles. Si vous avez quelque chose pour aider dans deux sens, le sens de l'avocat, si vous êtes avocat, vous vous rapprochez toujours de Dieudonné. 100 ans d'avance, il va vous présenter un autre avocat qui est en train d'activement travailler. Là, vous pouvez travailler de commun accord, mano à mano avec lui. Si vous voulez participer pour nous aider financièrement, parce que nous sommes en train toujours de mettre de l'argent à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Toujours du côté de Dieudonné 100 ans, vous pouvez y aller. Si éventuellement vous voulez aider le frère de Samy qui a la tête ouverte, toujours du côté de Dieudonné 100 ans d'avance, vous pouvez y aller. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci pour tout. L'enterrement, vous aurez quand le grand chef de famille, le vrai chef de famille, va décider de faire un programme. Surtout, quand Conrad va remettre l'argent, il y aura un programme et on ne manquera pas de publier ce programme-là ici. Vous allez voir quand est-ce qu'on va enterrer Samy. Pour ceux et celles qui sont au Cameroun, vous pourrez rapidement aller pour essayer de soutenir son grand frère, pas Conrad, mais celui que Conrad a payé. Donc c'est, non, la famille, je vous ai dit que le vrai chef de famille, c'est un homme. Voilà. Donc quand on dit un homme, ça veut dire un vrai bantou ikan. Donc ne vous inquiétez pas pour l'autre là, ce sera géré. Merci. Je vous souhaite une belle soirée et j'espère avoir de très bonnes nouvelles cette semaine pour vous tweeter encore le live peut-être vendredi. Si je n'y arrive pas et qu'on a les bonnes nouvelles d'ici là, d'ici peu, ne vous gênez même pas. Merci beaucoup Charlotte pour les étoiles. Mon frère, le Dieudonné 100 ans d'avance, ne manquerait pas de framponner un autre live et tout le reste. Donc, pas de souci. Mettez-nous les étoiles. Mettez tout ça, on utilise, on va aider. On va aider tout. Et s'il vous plaît, restez focus. Restez focus. Si vous nous lâchez, ça va être difficile pour nous. Restez focus. C'est la détermination qui nous fera gagner ce combat. C'est un combat dur. Je vous ai dit, moi, j'irai loin avec ça. Quel que soit lambda. Si vous entendez même mon nom à la radio Cameroun, sachez que à 60%, ce nom qui sonne à la radio Cameroun, là, c'est un nom qui va donner la justice pour Samy. Ouah! Parce que certaines personnes croient que le Cameroun les appartient, mais jamais. En ce moment-ci, le Cameroun appartient à une seule personne, président Paul Biya, personne d'autre. Merci et bonne soirée. Peace and love. Demain, je vais faire des contenus pour vous parler de la recherche scientifique du ministre
Madeleine Tuinter, Madeleine Chauve-Souris et de tout ce qui est fait qui n'est pas bon pour le Cameroun. Salut.